ce matin, on a fait un atelier autour de la peinture, autour des imigongo. Donc les enfants, ils ont essayé de peindre les imigongo. Donc l'objectif, c'était de leur montrer l'art décoratif au Rwanda. L'atelier s'intitulait « Le décor dans ma chambre ». Donc c'était pour permettre aux enfants de pouvoir découvrir un peu cet art traditionnel qui est très très réputé au Rwanda et qui représente vraiment une grande richesse pour la culture rwandaise. Expliquer aux enfants le circuit du livre, les étapes à travers lesquelles le livre parcourt, avant de nous arriver dans les mains, avant d'être vraiment un objet physique, un objet concret qu'on est capable de toucher, de manipuler. C'est dans ce cadre-là de promouvoir la lecture, mais en même temps de promouvoir la culture rwandaise. Peut-être que la raison pour laquelle le zen n'est pas encore de retour. Habite Nare Mugara, le lion à grande crinière. J'ai été vraiment impressionnée par les élèves parce que comme une artiste du Rwanda, je ne savais pas comment ça allait se dérouler. Mais voir comment ils discutent à propos de l'histoire, comment ils lisent, ils ont compris des choses que je croyais que c'était vraiment raciné dans la tradition rwandaise. J'ai été vraiment impressionnée par leur créativité. J'aime bien l'Afrique et comme il y avait des personnes qui venaient de l'Afrique, bah, ça m'a intéressée. Ce que j'ai préféré, c'était la peinture, même si on a un peu dépassé quelques petits problèmes. Et j'aime bien découvrir plein d'autres choses sur plein d'autres langues. Il y avait des personnes qui pouvaient lire un peu l'histoire et du coup, bah, moi j'ai pu lire.